Une histoire de canapé qui vire à l'incident diplomatique. La semaine dernière, Ursula von der Leyen, patronne de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil, étaient en visite à Ankara pour tenter de renouer des liens distendus avec le président Erdogan. Mais au moment de s'installer, vous le voyez, les deux hommes ont pris place côte à côte sans qu'une chaise ait été attribuée à Ursula von der Leyen, qui leur a signifié son malaise avant de devoir s'asseoir sur un canapé en retrait. Camouflé, humiliation, misogynie, la vidéo de ce sofa-gate n'en finit plus de faire réagir. Ankara évoque des histoires de protocole. Le poids politique de la scène est assez lourd. Écoutez le porte-parole de la patronne de la Commission. Normalement, Ursula von der Leyen aurait dû être assise exactement de la même manière que le président du Conseil européen et le président turc. Mais elle a décidé de passer outre et de donner la priorité à la substance. J'aimerais cependant souligner le fait que la présidente s'attendait à ce que l'institution qu'elle représente soit traitée avec le respect qui lui est dû. Elle a ainsi demandé à son équipe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus à l'avenir.